Pour que l'universalité des droits de l'homme ne soit pas un vain mot, il est essentiel que chacun puisse participer aux travaux du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, notamment du Conseil des droits de l'homme. Pourtant, pour certains États, par exemple pour ceux qui n'ont pas de représentation à Genève, il est parfois très compliqué d'envoyer une délégation en raison du manque de ressources ou pour des questions de logistique. C'est la raison pour laquelle le Conseil a décidé de créer en 2012 le Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance technique à l'appui de la participation des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement à ces travaux. Pour évoquer l'universalité d'accès aux travaux du Conseil, j'ai le plaisir d'accueillir Fatou Kamara-Well, la coordinatrice du Fonds d'affectation spéciale au Haut-Commissariat aux droits de l'homme, et depuis Bobo Dioulasso, Eliane Yameogo, conseillère en droits humains au ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique du Burkina Faso, qui a participé aux travaux du Conseil des droits de l'homme il y a un an grâce à ce fonds. Ce sont nos invités de la semaine.